Ouais, c'est parti. Eden. Mais non, mais c'est de la triche. C'est de la triche de commencer avec autant de cœur. Ah, c'est. Je vais me sentir trop confiant, vous allez voir. En plus, la Daski, c'est parfait. Ouais, cette run, elle commence déjà beaucoup trop bien. Mais. Qu'est-ce que. Mais. C'est illégal, ça. Comment. Oh mon dieu. Allez, pour la peine, je prends la pilule. Oh, allez, elle est nulle. Je vais utiliser la clé de temps en temps pour chercher les secrets. Je peux aller à mon item room tout de suite, mais je me suis dit, si jamais j'ai du pognon qui tombe quelque part, j'ai pas envie de le regretter. Voilà. Là, par exemple. Putain, mais cette run est scandaleuse. Ah oui, en plus, c'est un XL. Ah oui, j'ai bien fait, je pense. J'ai même pas fait attention. Putain, mais ce départ beaucoup trop vénère. Ok, y a pas de secret ici. Je vais vraiment claquer ma clé à chaque fois au premier étage là. Secret et super secret, je cherche. Volcano. Bah elle est là la super secret. J'ai ouvert le magasin d'ailleurs. Nickel. Alors. Ok, donc je peux, vous voyez que je peux quand même peut-être trouver les options directes. Hein. Sachant que là je peux récupérer une bombe. Et du pognon et un générateur de pognon. Oh là 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 là, scandaleux, scandaleux. Ah, ok. Ok, il commence à y avoir des choses. Donc là l'idée c'est de péter tous les caca. Puis de revenir chercher les pièces avec l'autre trinket pour doubler. J'optimise quand même hein. Mais il n'y en a qu'une. C'est quoi cette... qu'est-ce que je pourrais faire le boss à la limite, mais bah du coup j'aurais pas l'argent. Attendez. Je vais quand même optimiser mon unique pièce de l'étage. Voilà. Incroyable. Je pense que je garde quand même le Petrified Poop du coup. On va juste bomber un peu. A priori j'aurai rien. Du coup je préfère faire mes item rooms quand même. Je sais pas si j'ai envie d'aller au boss tout de suite. Ok. Osef. Dommage. Malheureusement. Mais pareil, Osef. Aïe, aïe, aïe. C'était bien la peine de s'embêter. Ouh, le café. Oh. Oh, il fait du bien. Little Horn. Ça va. Non mais ce départ scandaleux quand même hein. Ça commence à badonne. Premier coffre que j'ouvre, c'est Cricket Said. Il y a quelque chose quand même. Tears up. Bah on va partir en Jeldil hein. Parce que c'est zéro ça. La Datski fait toujours le bruit, hein. Chaque fois, je me pose la question si ça ouvre quelque chose. Ah, si, ça a vraiment ouvert quelque chose parce que ça. Ah oui, elle fait toujours le bruit parce qu'elle ouvre de toute façon les portes. Genre ça. Ouais. Ça s'arrête quand là? Je veux plus être un magicien. C'est bon.
Non, mais ça aurait pas pu être là. Bon, c'est pas grave, parce que les charges de clés, c'est rapide. Hein. Deux charges, c'est pas un problème. Hein. Voilà. The moon. Ok. Oui, l'argent. D'accord. Le magasin, là. Bon, alors voilà, là, si je veux vraiment être casse-couille... Bon, j'ouvre le magasin avec ma clé. Et du coup, je cherche pas à... Et là, il y a 1000 pièces, mais l'étage d'avant, il n'y en avait pas, quoi. Scandaleux. Je cherche pas à l'ouvrir avec une clé, je prends... hop. Enfin, si, mais pas la même clé. Je prends une charge. D'ailleurs, si on veut vraiment optimiser, on prend la charge dans une petite salle et pas dans une grande salle. Rien ne va plus, hein. Je ne suis pas un bon min-maxeur. Ok. Et voilà, et là je vais rouvrir le magasin et c'est gratuit. Tout ce que ça coûte, c'est du temps. Mais comme je disais, on est là, on est aussi là pour chiller. Arrive Mind en avance. C'est un peu tôt parce que j'ai rien qui génère des mouches. Ok. C'est par Excel encore, hein, non. Non, 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 non. Je prends la pilule. J'ai pas trouvé mon item home, tiens. Ah, je dois être dans le coin. J'ai pas trouvé quoi aussi, ma super secret. Je dirais là. Yes. Yes. Ok. Ça génère des trinkets et des cartes, donc éventuellement, en cas de besoin. Zut. Zut. J'ai pas... Non, attends, j'ai pas acheté le truc des doubles bombes, hein, c'est une coïncidence. Mais c'est ça. Je sais même plus ce que j'achète. Pour vous dire à quel point... Mon cerveau cosmique est ridicule. Mais voilà. Ah bah ça va bien avec Hive Mind. Enfin, vaguement bien, hein, mais bon, c'est déjà ça. C'est si long legs. Hop. Une sacrifice room. Non, je pense que Joseph fait un peu de la sacrifice room là. Mon objectif, c'est d'aller au magasin quand même dépenser mes 18 balles. Blank card the moon, bof. La batterie, deep pocket, y a rien de ouf. Je vais quand même prendre le cœur à 3 parce que ça m'empêche pas de faire autre chose. Comme de récupérer Black Candle derrière. Donc je me suis ruiné, mais j'ai plus de malédiction. Et j'ai 81% de chance de deal. Donc c'est pas dégueulasse. Et là ça va s'ouvrir. J'ai des grosses araignées, c'est pas un gros stuff, mais ça m'a stuffé un peu cet étage. Mais ça s'est vraiment pas ouvert. C'est pas grave. Voilà, le café est bu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, parce que j'ai la The Moon, hein, donc je peux m'échapper de ce genre de salle. Pas oublier, d'utiliser la Datsuki pour checker les secrets. Les super secrets, si possible. Elle n'est pas là. Je vais la spammer. Si, remarque, j'allais dire j'en ai plus trop besoin, mais un peu plus de thunes, je dis pas non. Un poil de pognon. Mais... En plus, elle se recharge si vite. J'aurais pu prendre la batterie, hein. Pour que la charge soit pas perdue. Et chargée 4 fois. Enfin, 2 fois, mais 4 charges. Toujours rien. Si, on a vu la secret, ok.
My bad, on l'a vu. Elle est là. Hop. Ben voilà le pognon. Nickel. On est bien là. De toute façon, on était bien en lançant la run. Hein. Dire le jeu m'a donné abandon. Hop. Zut. Zut. Pas de gaz, putain j'ai rien eu. J'ai eu une pilule paix. C'est nul. Mario. Incroyable. Bientôt, hein, bientôt on sera striké par Nintendo. Il strike déjà des trucs en plus, non? Je dis bientôt, mais c'est déjà le cas. Oh! C'est cadeau! Tous les trucs de Super Mario Odyssey, là, je me souviens que c'était des enfers au niveau des strikes. Les sols, il me reste deux magasins et j'ai déjà eu un grid, donc j'aurai au moins un magasin correct, disons. Ok, là il y a la secret a priori. Mais non, j'ai déjà eu la secret. Oui, c'est la super secret que je cherche maintenant. Ça change un peu ce thème là, c'est le thème Donkey Konga. Alors elle est... Attendez, mais je l'ai... Ah non mais je l'ai eu ma super secret mais c'est pas possible hein. C'est le matin, écoutez, je suis sûr que c'est le matin. Vous êtes également en pyjama, tranquillement, dans votre lit, en mode relax. Est-ce que je veux vraiment ouvrir les trucs? Je crois que la réponse est oui. Super. C'est bon. J'ai l'impression que c'est pas mal hein, le fond vert. Vous me direz si il commence à déconner ou pas. Faut pas déconner dès qu'on est né, mais le fond vert, ça va. Il est... La deuxième lampe là, je l'ai mise là. Elle fait d'un côté, l'autre lampe de l'autre côté, et surtout la lampe, on va dire pro, en quelque sorte. La lampe à LED, je dis pro parce que c'est plus souvent des lampes à LED pour éclairer les fonds verts. Elle est maintenant plus chaude. Alors pas comme mon ex, mais... Ah, pardon. C'est déplacé. Pardon. Mais plus jaune. Amnésie. Merde. Voilà. Voilà, les blagues sexistes, je paye. Wow. Les bombes. Ok. Ah si, et donc on entend le bruit de la porte quand il y a une clé à utiliser. C'est pas le même bruit. Ok, disons que j'ai moins besoin de pognon, donc je peux prendre Dim Bulb. Quand j'utiliserai ma clé de manière lucide, je gagnerai un peu de DPS. Et au pire, je peux l'utiliser avant le boss, en mode... pour récupérer des stats. Ok. Bah tiens, on va trinket melter cette chose. De toute façon, j'ai du pognon à dépenser. Je trinket met. Comme ça, je peux récupérer l'autre trinket. Est-ce que je suis un magicien? Non. Non. Le trinket est mon item. Mais. Bah, le jeu. Bon, le karma, c'est semi-karma quand même. Hein. Là, c'est pas trop karma police. Hein.
Là, c'est plutôt tranquillou en vrai. Hein. Même si à cab, évidemment, mais. Mais la Karma Police, on... peut-être c'est la seule police qu'on aime. Verp. Oui, non mais je veux pas encore oublier. J'ai tout oublié des campagnes de Stalys et de Waterloo. Bravo si vous avez la ref. The Sun. Oh mais d'accord, mais mon item il est tout à l'autre bout. On va quand même aller le chercher. Quand même. Je sais qu'on pourrait rusher. C'est vrai que l'objectif c'est d'atteindre les 100 quand même. Si je pouvais atteindre les 100 aujourd'hui, ce serait pas mal. Mais peut-être pas forcer trop non plus quoi. Parce que là j'ai pas besoin d'item, ma run est pétée, je peux finir mais. Bon. Quand même quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Une empereur. La machine qui se bloque à 1, très bien. Vous voulez pas de mon pognon, c'est ça? Il y a un lock-up là, je crois. Ah, par contre, si je pouvais tout transformer. Attendez. Tout ça pour avoir un cœur. Deux cœurs, mais bon. C'est vrai que je suis full vie. Ok, ça c'est pareil. Ça va plutôt correctement bien avec le Hive Mind. Même si, encore une fois, c'est Osef Tyr. Quoique, ça fait popper des 4-5 araignées, non? Toutes les salles, ça peut faire popper quelques araignées. Pas si dégueu. Je suis mes 10 ans. Toc. Et là, on va commencer le speedrun. Hop là. Le skip. Ah, c'est presque un one shot. Hein. Oh yes. Ah, j'adore cette musique. Mais non, mais ça va pas. Ça l'a encore décalé. JPP. Pourquoi? Pourquoi ça l'a décalé? J'avais exprès remis comme il faut. Ça c'est pour tous les gens qui jouent Kirby dans Smash. Kirby, il est pas un peu toujours dans la méta de Smash. Ok. Là, voilà, je commence à rusher un peu, j'en suis aux 16 minutes. Bon, voilà, si j'avais pas fait mes détours et tout, bon, peut-être que j'économisais un peu, mais... Même si là, pour s'amuser. Oh là là. Oh, le dommage up. Ah oui, et le Tears Down est une bonne nouvelle, hein. Je rappelle avec le couteau. On n'est pas là pour avoir trop de T-rate, c'est un peu chiant. Ça dépend aussi de la range. Pas non plus voir ma super secret, c'est un peu osef. Hmm.
Ok. Le mapping m'a pas trollé aussi, parce qu'avec la blue map, on peut voir la super secret. Souvent, on a envie d'aller vers la super secret, du coup. Et merde. Et aller régulièrement, cette super secret, aller vers le boss. C'est pas du 100%. Pour ça, ça peut troller. C'est plus globalement. Et là, je me suis pas fait troller. Si ça s'ouvre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant que j'ai un couteau, je suis presque mieux sans mon trinket, l'ampoule là. Parce que du coup, j'ai pas besoin de me faire chier avec le T-Rate. Bon, de toute façon, là, c'est fini. Toc. Des transfo quand même. Voilà. Bon départ, hein, pour aller avec le café.